Le jeu. C'est ça. Donc, la dernière fois qu'on a fait Action 52, on a fait le premier jeu, Fire Breeders. Même si c'est écrit au singulier, maintenant, c'est au pluriel une fois qu'on démarre le jeu. Il a peut-être juste manqué de place. Il a clairement manqué de place. Donc, on commence le deuxième, Star Evil. Stair Evil? Stairville? Mais non, il n'y a pas de I. C'est pas des escaliers. Non? C'est... Ah, Stair, genre... Non, mais Stairville, non. C'est Star... Non, Star Evil. Star Evil. Donc, Star Evil, un jeu... Oh, on peut jouer à deux. Yeah. Oh! Hey, c'était le fun. OK, c'est moi la manette. Ben non, moi je suis mort, fait que tout, là c'est à toi. Tu penses? Ah oh, oui. Wow! OK. Wow, man, faut être à l'affût. J'aime ça que les balles que tu tires, c'est des espèces de baguettes horizontales. C'est pas clair, ça, c'est des power-ups? Ah non. T'es mort. Ah, je suis mort. Wow! Man, c'est tellement de la merde là, de commencer avec un piège tout de suite. Ça, mais c'est t'apprends, du... t'apprends. Non, c'est du game design de merde. Bon, ça va, j'ai compris. Je vais être celui qui sera le plus loin dans Star Evil de l'histoire. Tu peux ralentir, là. Je sais pas. Ça va te faire. Tu peux faire en bas? Ouais, je peux faire en bas, mais. Hey! Non, cette hitbox-là était pas correcte. Yeah. Hein? Wow! Passé. On est-tu des vies à l'infini? Je sais pas. Hey. La musique est écœurante. Pour vrai, là, je pense qu'au cégep, j'ai programmé des jeux plus cool que ça. Wow! Pas sûr. J'ai programmé un jeu que le but du jeu, c'était de trouver c'était quoi le bouton pour sortir. Mais ce qui est fantastique de ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de beta testing. Encore. On fait un jeu qui marche à peu près, c'est correct. Fait que le bouton commence à sortir, c'est un jeu plat, ça. Ouais. Oh, j'ai un boss! Yeah! Un boss! T'es capable. Ouais, là, c'est chier. Il tire pas. Je fais du mal, je pense que tu peux passer par-dessus. Tu peux pas passer par-dessus les blocs jaunes? Non. Oui. Hein? Je me suis rendu au deuxième tableau, mais ça commençait avec une affaire qui me tue. Mais c'était juste un changement de. C'est un palette swap, là, c'est ridicule. Non, il fallait que je tourne à gauche ou à droite au début. Ah! Hey, je peux même pas prendre une gorgée de café parce que si jamais tu meurs, faut que je sois prêt tout de suite à commencer. Ouais. Wow! Yeah. Oh! Le boss! J'ai confiance en toi. Il est comme divisé en morceaux, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont oublié de l'afficher. Peut-être que dans la programmation, vu que moi je l'ai tué, il s'affichera pas. Mais je sais pas, moi je l'ai pas vu exploser. Non. Amenez-en des monstres! J'aime ça, on a de l'énergie, mais dès qu'on se fait toucher, on meurt. Donc ça sert à rien. Ouais. Ah non, check, t'as cogné le bloc, t'as perdu un peu d'énergie. Ah ouais? Je pense. Ouais, check. Ah oui. Cogné. Ok. Yeah. Là, ben, si le boss apparaît pas, tu vas jamais fonctionner. C'est clair, là, qu'on peut boire du café. Mais voyons donc. Fait que là, vu que moi j'ai tué le boss, à deux players, il y a un bug. Je sais pas. C'est peut-être pas à cause de ça, tu sais, c'est peut-être juste parce que le jeu est marre. Oh! Non, je pense que c'est le boss. Tenez. Non! C'était ça! Star Evil, l'étoile diabolique. Du diable. Hey, pour ça vrai, là, c'est quoi ce bug-là? OK, sérieusement, si ce bug-là te trouble, on peut pas continuer Action 52. On continue, je suis prêt. OK. Let's go. On troque le café pour la bière et on se revoit bientôt pour un autre épisode de Action 52.